Bonjour à tous, c'est Ben et Enzo de la chaîne du SNFC. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre série « Comment on a réussi à créer notre club de foot ». Dans cet épisode, on va vous présenter toute la partie finance de notre projet. C'est un volet incontournable et pour cet épisode spécial, on va vous montrer directement et sans filtre toutes nos dépenses et toutes nos rentrées d'argent. Allez, on passe direct sur l'ordi et on vous montre tout ça pour cet épisode numéro 3. Ok, du coup, on va passer sur chacun de nos frais un à un et on va vous expliquer à quoi ils correspondent. On vous précise aussi que tout ça, c'est des estimations. C'est pas les vrais frais, c'est pas exactement ce qu'on a dû dépenser, mais ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'on a vraiment, de tous les frais qu'on a engagés et de toutes les entrées d'argent qu'on a eues. Ok, donc du coup, on commence directement avec toutes nos sorties d'argent. Les premiers frais qu'on a, c'est les cotisations district et tous les frais divers qui sont associés à cette cotisation district. Ces premiers frais, c'est pas forcément les frais qui vont sortir en premier, puisque les cotisations sont en fait débitées courant novembre ou octobre, enfin voilà, une fois que la saison a déjà commencé. Mais c'est les premiers frais dont on vous parle et dont vous êtes déjà au courant en fait lors de la création du club. Donc voilà, ils sont à hauteur de 450€ et voilà, ils sont un peu plus larges, on a fait exprès de les prendre un petit peu plus larges étant donné qu'ils prennent en compte différents frais. Et puis il me semble aussi que ça dépend des districts, dans l'Ain c'est ça pour nous. Mais ça dépend de là où vous créez le club. Ok, le deuxième frais auquel il faut penser, c'est les engagements en coupe et les engagements en championnat. C'est pas le frais le plus élevé, mais faut aussi le prendre en compte, c'est 50€. Et du coup, nous, on s'est engagé en coupe d'égroupement, qui est la petite coupe du district pour les équipes bas niveau, et en niveau D5. Sachant que pour cette première année, on n'a pas souhaité s'inscrire en Coupe de France, qui est normalement la coupe qui engendre le plus de frais pour les petits clubs comme nous. Il me semble que pour la Coupe de France, c'est entre 50 et 100€ l'inscription. Je crois que c'est même plus proche de 100€. Mais ouais, c'est une coupe qui coûte plus cher que les autres. En ce qui concerne les licences, c'est des frais qui se font sur chaque joueur. Donc nous, comme on avait un effectif d'environ 20 joueurs, le prix c'est 25€ par joueur. Donc nous, ça nous a fait un total de 500€. En ce qui concerne les licences. Le quatrième frais du coup que le club a à prendre en charge, c'est la cotisation mais du coup au niveau ligue, à différencier du coup des cotisations au niveau district. Pareil, nous ça a représenté 300€, mais tout ça, ça dépend de votre nombre de licenciés, du nombre d'équipes du club, ça dépend de plein de choses. Dans notre cas, en tout cas, une équipe, 300€ de cotisation à la ligue. Un gros volet maintenant de nos sorties d'argent, c'est les mutations des joueurs. Parce qu'il faut savoir que quand un joueur était licencié dans un club la saison précédente et signe dans notre club en début d'année, c'est pas gratuit. On a des frais de mutation qui montent à 100€ par joueur, en tout cas dans la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous, vu qu'on a sur les 20, environ 20 joueurs qu'on avait, on a eu 8 joueurs qui provenaient d'un autre club. Donc ça nous a fait un total de 800€ de frais de mutation. Ce qui est important dans ce que Ben dit, c'est que pareil, ça c'est des frais qui sont propres à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 100€ par joueur, c'est uniquement dans notre ligue. Il y a des frais de mutation dans d'autres ligues qui coûtent beaucoup moins cher. Je pense même qu'il y a des ligues où c'est environ 50€. Et voilà, c'est une grosse différence, ça dépend de votre ligue. Et voilà, il faut se renseigner à ce sujet-là. Ok, le prochain et gros volet de nos sorties d'argent, ça concerne tout ce qui est équipement. Donc que ce soit équipement type maillot, maillot A, maillot B, shorts, chaussettes, survêtements, maillot d'échauffement puisqu'on en a fait un aussi, mais aussi tout ce qui est équipement, donc tout ce qui va être accessoires, ballons, plots et toutes ces choses-là. Tout ça, c'est le volet le plus important de nos frais et ça représente 4200€ à lui tout seul pour notre club d'une équipe. Donc c'est environ les deux tiers de nos sorties d'argent, ce qui est vraiment considérable. Mais on reviendra sur le volet équipement un peu plus en détail dans la suite de cette vidéo. Et enfin, les derniers frais qui sont peut-être les plus... Enfin, déjà qui sont les plus variables, puisque ça va dépendre un peu de ce que vous allez faire tout au long de la saison. La nourriture qu'on va devoir payer après les matchs, ou éventuellement qu'on peut payer après les entraînements. Dans ces frais annexes, on va aussi retrouver les cartons que peuvent avoir pris les joueurs au cours des matchs, donc carton jaune, carton rouge. Voilà, donc là on a mis une estimation autour de 200€. Faut savoir que c'est très très variable et que c'est une estimation. Hein. Nous, là, étant donné qu'on est en période de pandémie, c'est vrai que on a eu moins de matchs, donc moins de nourriture à acheter pour les fins de match. Voilà, en termes de carton, on n'en a pas eu non plus des masses, donc voilà, ça va vraiment varier d'un club à l'autre. Et tout ça, ces frais-là, c'est important de les prévoir. Hein. Si on,
si vous commencez à faire des budgets pour votre club, pour votre première année, c'est important de prévoir ce genre de frais. Je pense notamment au carton. Ben disait qu'on n'en a pas eu tant que ça, mais sur un match où on a eu trois cartons jaunes, il me semble que c'est 11 euros le carton jaune. Tu prends un carton rouge, 50 euros. C'est vite des frais qui peuvent peser lourd dans la balance à la fin d'une saison. Donc c'est des choses vraiment qu'il faut prévoir et préparer de l'argent de côté directement dès l'initialisation de la saison. Voilà, donc du coup, la balance de toutes nos sorties d'argent s'élève donc à 6 500 euros. 6 500 euros, du coup, c'est tous les frais qu'on a dû sortir pour le club, que ce soit équipement, cotisation pour une saison et cette première saison, étant donné que voilà, on a des frais qui sont dus uniquement au fait qu'on ait une première saison. Mais voilà, quand même 6 500 euros de dépenses pour cette première saison. Tous ces frais dépendent énormément de vos choix, à part pour les frais de ligue et district qui, eux, sont vraiment fixes chaque année. Ils dépendent uniquement de ce que vous souhaitez prendre en équipement, en nombre de jeux de maillot. Ça dépend vraiment de vous. Du coup, les premières entrées d'argent à laquelle tout le monde pense, bien sûr, ce sont les licences. Donc nous, on était partis sur un format de licence à 200 euros. 200 euros, ça peut paraître cher pour certains clubs, pour d'autres non. On pensait que c'était un bon équilibre, étant donné qu'on était dans une première saison. Et comme vous l'avez vu, on a beaucoup de frais qui sont dus à cette première saison. Et du coup, on était partis donc sur 200 euros à la base. Du coup, rapidement, on se rend compte que voilà, 6 500 euros moins 4 400 euros, avec des licences à 200 euros, on va pas réussir à joindre les deux bouts et on va pas pouvoir faire tout ce qu'on aurait imaginé faire. Ce qui s'est passé directement là, c'est qu'on a voulu sécuriser avec Ben et avec les autres membres du bureau et on a voulu donc passer la licence à 250 euros. Donc là, du coup, en passant là, du coup, la licence à 250 euros, on voit du coup qu'on arrive à une balance de moins 1000 euros. Donc on est encore déficitaire, mais au moins on a une plus grande sécurité. Du coup, malgré cette montée d'argent, on voit qu'on n'est pas encore totalement à l'équilibre. Voilà, on reconnaît qu'on a eu peut-être de fortes exigences sur cette première année en voulant proposer un maillot A, un maillot B, un survêtement, un maillot d'échauffement. Voilà, c'est des prestations qui sont hautes pour un nouveau club. Mais voilà, on a un peu à cœur de bien faire les choses, c'est notre première saison et on veut se donner les moyens de nos exigences. Donc comme vous vous en doutez, la seule façon d'équilibrer nos comptes, c'est de sponsoriser nos équipements. C'est un travail quand même assez chaud de trouver des sponsors parce que ça demande énormément de temps, faut contacter des entreprises, faut quand même faire jouer ses connaissances. Et c'est vrai que là-dessus, on s'est vraiment donné, je pense, pour satisfaire nos exigences. Il faut aussi savoir que du coup, en tant que club, que nouveau club, que club de foot, on peut apporter beaucoup de choses aux entreprises, principalement de la visibilité en portant leur logo sur nos maillots, nos survêtements. Et voilà, il faut jouer de cet aspect avec les entreprises pour négocier avec elles. Et c'est vraiment quelque chose d'important et il faut jouer là-dessus au maximum. En ce qui concerne les entreprises qu'on cherchait au niveau du sponsoring, on avait aussi envie quand même de chercher autour de notre village parce qu'on s'est quand même implanté dans un petit village dans lequel on a eu la chance quand même d'avoir une zone d'activité, une zone où il y avait pas mal d'entreprises. Et c'est vrai que l'objectif c'était aussi de pouvoir faire vivre un peu ce petit village en essayant de trouver des sponsoring avec des entreprises provenant du village même. Voilà, du coup, là, vous avez le détail du coup de tous nos sponsors qu'on remercie chaleureusement. Je ne sais pas s'ils passeront sur la vidéo, mais voilà, on les remercie encore parce que c'est grâce à eux qu'on peut proposer des produits, des équipements à nos licenciés. Et voilà, sans eux, comme vous l'avez vu, on ne peut rien faire. Du coup, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que bon voilà, là, on vous a présenté tous nos frais dans l'ordre, maillot A, maillot B, toutes ces choses-là. Mais ce n'était pas quelque chose qui était prévu à la base. C'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Dès qu'on a senti qu'on avait un sponsoring de possible, on s'est dit si on allait chercher un maillot d'échauffement et si on allait chercher un survêtement. C'était pas prévu dès le début, ça s'est vraiment fait par palier et c'est ça qui est important à retenir. Du coup aussi, comme c'est votre club, votre aventure, faut savoir que voilà, tout est possible et nous, l'un de nos projets les plus fous cette première saison, ça a été d'ouvrir notre propre boutique. Donc on a proposé à la vente notre maillot A et notre maillot B. Et on en a vendu plus de 80 du coup à nos potes, ceux qui venaient nous voir le week-end, des parents. Donc voilà, ça c'était un vrai kiff et ça nous a permis de consolider notre volet financier. Voilà, je pense qu'on a dégagé environ 1000 euros de cette vente et ça nous a permis voilà, d'asseoir encore mieux nos positions et d'être encore mieux d'un point de vue financier. Et plus récemment aussi, on a eu la chance de participer à un très grand concours organisé par Unibet et la Centrale du Sport pour soutenir tout le football amateur.
Et du coup, on a été choisi par Unibet et on fait partie des 246 équipes qui ont reçu un jeu de maillot, enfin voilà, plein de petites dotations, hyper sympa. Et du coup, ça nous fait du bien en fait, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue équipement, c'est top. Voilà, je pense que vous avez du coup l'essentiel du volet financier concernant le club. Je pense que vous avez compris aussi que voilà, sur un projet comme le nôtre, c'est vraiment essentiel de gérer correctement cet aspect. Il y a des organismes de contrôle qui vont s'assurer à la Ligue et au district que vous êtes en accord et que financièrement vous savez gérer. Donc c'est très important de tout prévoir et tout organiser au mieux. Plus spécifique à nous maintenant, c'est vrai qu'on avait quand même pas mal d'exigences, notamment d'un point de vue équipementier, vu que voilà, on voulait faire quand même une grosse gamme et proposer à nos licenciés beaucoup de choses. Donc on a voulu s'équiper aussi avec de la bonne qualité, ce qui fait que d'un point de vue financier, ça a été un peu plus compliqué. Et on a réussi à combler ça quand même avec la recherche de pas mal de sponsors qui, on les remercie encore une fois, ont pu nous aider. Dans le prochain épisode justement, on va vous présenter en détail comment on a réussi à trouver nos équipements, comment on a sélectionné nos jeux de maillot, nos survêtements. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite de l'aventure.